Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé sur les révélations hors du commun des histoires mystiques et des témoignages. Ha ha ha! Vraiment, mes frères et sœurs, avant de manger quelque chose que vous avez acheté dehors, priez. Priez sur la chose-là, que Dieu vraiment sanctifie le truc, que Dieu vous protège contre tous les mauvais sorts. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés partout, même de l'esprit mauvais se trouve dehors. Écoutez, elle a failli manger la nourriture d'une sorcière. Mais quel genre de nourriture? En fait, on nous dit que la sorcière en question transforme les êtres humains en chèvres, puis elle les tue. Elle prend leur chair, la chair humaine, et elle va revendre sur le marché. Et c'est ce qu'elle faisait jusqu'à ce que, ha, quelque chose de bizarre arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons ça! Mais aujourd'hui, j'ai voulu raconter une des histoires qui est déjà arrivée à ma mère. Donc, ça s'est déroulé dans un pays de la sous-région là. C'était, en fait, elle vivait dans une ville où souvent il y a un petit marché là. Elle va là-bas faire ses provisions et tout. Et souvent, quand elle va au marché, il y a toujours une femme là qui vendait du riz. Mais il y avait tellement de monde, les gens qui se bousculaient se disaient, mais quel genre de. Elle avait plus ma mère a pour habitude, là où les gens sont toujours en train de dire, vends-moi. Ils sont en train de crier, elle n'achète jamais là-bas. Elle dit que ça là, c'est pas normal. Mais. Elle n'achetait jamais chez la dame, là, elle n'achetait jamais rien chez la dame. Mais quand elle est tombée enceinte, ah, on dit souvent que femme enceinte, là, elle toujours mange ceci, elle mange cela. Donc la grossesse l'a poussée à aller acheter la nourriture chez cette dame-là. Mais une fois arrivée à la maison, elle n'arrive pas à manger. Elle puce, mais elle n'arrive pas à mettre ça dans la bouche. À chaque fois qu'elle amène ça vers la bouche, son cœur bat très fort. Bien! À chaque fois qu'elle amène ça vers la bouche, son corps bat. Bien, elle dit non, ça c'est pas. Elle a essayé 3 fois, elle n'a pas pu mettre dans la bouche. Elle a pris la viande aussi, elle a essayé de manger, ça a encore fait son cœur encore sonner. Bien, elle a dit non, ça là je laisse. Elle a laissé la nourriture. Pendant 3 jours comme ça sur la table, elle passait devant la nourriture, elle disait, quel genre de nourriture comme ça là. Hein? Et puis la nourriture s'est décomposée au bout de ces 3 jours, elle a jeté. Quelques temps plus tard, toujours dans le marché, elle est partie encore faire ses provisions. Et puis, elle voit la dame qu'on a attachée, les bras, elle ne portait rien. On l'a trimballée dans tout le marché et on lui criait dessus. Donc, comme elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle a demandé et on lui a expliqué que ah, la dame là, souvent, la nourriture qu'elle vend, la viande en question qu'elle vend là, c'est de la viande humaine. C'est-à-dire que elle prend les gens pour transformer en chèvre et elle tue. Donc quand elle tue, elle, la viande là dans la casserole là, elle ne change pas ça pendant 1 an. Elle prépare les sauces et puis met sur ça. Elle prépare les sauces et puis met sur ça. Mais cette fois, elle a commis l'erreur de tuer un jeune homme. Mais pour le tuer, elle a fait appel encore au jeune homme pour tuer la chèvre. C'est-à-dire que mystiquement, elle a pris l'âme du jeune homme, elle a mis ça dans une chèvre. Maintenant, à 5 heures du matin, elle part toquer à la porte du jeune homme. Comme il vivait dans la même concession, elle est partie toquer là-bas. Oh, mon fils, viens, viens tuer ma chèvre pour moi. Le gars part, il tue la chèvre. Et après, il est reparti dormir. Comme c'est encore à l'aube, là, il est reparti dormir. Mais dans son sommeil, là, il ne s'est plus réveillé. Donc, les parents du jeune homme se sont dit, mais comment notre fils peut mourir comme ça? Comment? Il n'était pas malade, il n'avait rien. Et il s'est endormi hier bien. Et ce matin, on me dit qu'il est mort. Les parents se disent comme ça. C'est pas normal. Et surtout que c'est après avoir tué la chèvre de la dame là. Donc ils ont cherché et ils ont enfin trouvé que ah, en fait c'est la dame qui a tué le gars. Que la chèvre que
Le jeune homme était parti tuer. C'est lui-même, il est parti tuer. Donc, quand ils ont su ça, ils sont venus attraper la dame dans le marché comme ça. Et elle aussi, elle a avoué que c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Et que c'est elle qui a fait. Puisqu'on est venu la menacer avec la personne qui a déclaré, c'est-à-dire que le marabout, bien bon, le fétiche comme on dit. Donc, elle a confessé que oui, qu'elle transforme les gens en chèvres, qu'elle les tue, voilà. Et voilà, on l'a mis avec les cordes, on l'a dans tout le marché, juste dans le village, un peu dans le village aussi. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Et depuis là, moi-même, quand je vois quelque part, bang, les gens crient, 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 oh, il est pour madame, et puis, et là, moi, je ne vais jamais là-bas. Hein. Merci, merci. Waouh, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ah, ces gens, un endroit où tout le monde va pour manger. En fait, vous voyez un endroit où il y a beaucoup de monde. Les gens sont là-bas en train d'acheter des trucs pour manger, ils mangent. Et ils sont nombreux, vous ne savez même pas pourquoi. Moi, je suis arrivé, il dit, mais ah, pourquoi de tel endroit, il y a beaucoup de monde comme ça? Moi, je ne savais pas. Du coup, ils sont allés acheter la nourriture là, pour me goûter un peu, quoi, pour voir ce qu'elle était. Mais je n'ai rien vu d'extraordinaire dans cette nourriture quand je l'ai consommée. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Limite, mais je me suis posé la question, mais pourquoi il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans? Mais les gens y vont. Vous voyez comment il y a les envoûtements dehors. Vous voyez comment on envoûte les gens dehors. Mais si vous avez le Saint-Esprit pour vous prier, vraiment, Dieu va vous épargner de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah, faites vraiment très attention. Ok, nous allons écouter encore un autre monsieur qui va nous dire quelque chose. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord vous raconter l'histoire de ma voisine. Dans l'histoire est basée sur son père et elle me l'a raconté un jour. L'histoire est la suivante. Son père, donc le père de ma voisine, il était, en fait, c'était un homme, le genre de papa, qui grandissent beaucoup au village. Et lui, c'est un pêcheur, un vrai pêcheur. Vous voyez? Et c'était le genre de pêcheur, quand il part à la chasse, quand il part pêcher, Il ne revenait pratiquement sans rien. Il ramenait toujours quelque chose, du poisson en abondance. Alors là, c'est comme ça qu'un jour, il est retourné à la pêche. Et lui pêchait, bon, il pêchait au Gabon, dans le Goué. Il pêchait à l'Ogoué avec la pirogue, les filets et autres. Donc un jour, c'est comme ça, il est parti pêcher à l'Ogoué. En pêchant, il voit au loin, il y a un génie de l'eau, un génie des eaux qui vient. Le génie nage à côté de lui, le génie entre dans l'eau et il disparaît. Il regarde, il se dit, ah, ça c'est quel mauvais signe que je viens de voir. Il ne prête pas attention. Il termine sa pêche comme d'habitude, il remplit la pirogue, il part à la maison, ça partage et tout, ça vend aussi. Le jour suivant, le monsieur revient à l'Ogoué, comme d'habitude, il prend sa pirogue et retourne à l'eau. Donc, au moment où il met la pirogue à l'eau, il voit encore le même génie venir. Alors là, le génie se rapproche. Il dit non, il regarde le génie. Le génie vient. Après, le génie s'arrête là où il a sa pirogue. Le génie lui dit clairement que toi, je n'ai plus envie de te voir venir pêcher ici parce que tu n'as pas le droit. Cela ne peut pas se faire que quand tu viens pêcher, tu raves tout ce qu'il y a comme poisson et autres et tu pars comme si de rien n'était. C'est la dernière fois que je te trouve en train de pêcher ici. Le monsieur a hoché la tête tranquillement. Le génie est parti, le génie a complètement disparu. Il a continué la pêche. Il est rentré à la maison. Rentré à la maison, une semaine plus tard, il part maintenant pêcher et il emmène sa femme. Quand il part avec sa femme, ça prend, bon, il remonte dans sa pirogue, la routine, il retourne au milieu de l'Ogoué. Quand il retourne, bon, il n'était pas encore vraiment au milieu, il était encore au bord.
Oui, il n'avait pas encore embarqué. Donc, pendant qu'ils sont en train de s'apprêter avec sa femme, il voit deux génies féminins. Un génie mâle, un génie femelle. Après, les deux viennent comme ça. Donc, le monsieur, il dit à sa femme, non, cours, viens vite, on va d'abord se cacher en brousse, le temps que cela passe. Les génies étaient en train de nager à la surface de l'eau. Il dit, non, viens, on va se cacher à la surface. Viens d'abord, on va se cacher en brousse, le temps qu'il passe. La dame dit, ah, on va se cacher et tout et tout et tout. Tu es sûr qu'ils ne nous voient pas? Il dit, non, ils sont encore loin. Viens, on va se cacher. Le monsieur se cache. Derrière, il entre un peu en brousse avec sa femme. Tranquillement, il se courbe. Quand les génies viennent, après le mâle crie, je t'avais prévenu. Tu penses que je ne te vois pas? Tu es en train de te cacher. Tu penses que c'est quoi? Pourtant, je suis en train de te voir et tu t'es dit que tu t'es caché. Je t'aurais prévenu. Le génie est parti. Les génies sont partis. Malgré ça, comme le monsieur était têtu, il prend encore sa femme pour pêcher. Il retourne à l'eau pêcher avec sa femme. Il pêche tranquillement. Il s'est dit, ah, mais tous les jours je viens, je pêche. Le génie là, il vient me mettre en garde, mais il ne me fait jamais quelque chose et tout et tout. Le monsieur termine de remplir sa pirogue et tout. Il rentre à la maison, ils refont les mêmes choses. Ça vend le poisson, ils vendent le poisson, une partie, autre et tout et tout et tout. C'est comme ça que 2 semaines plus tard, il décide, bon, que c'est vrai. Quand il regarde, bon, il avait regardé dans la maison, il a senti qu'il y avait des choses qui manquaient, des trucs comme ça, quoi. Et il manquait de sous, en fait. Il dit, bon, aujourd'hui, comme je n'ai rien à faire, je vais encore aller pêcher. Il retourne à l'Ogoué. Il arrive à l'Ogoué, il reprend sa pirogue, ses filets, et il se jette à l'eau. Sauf que là, il est parti au milieu. En étant au milieu, le monsieur est parti avec sa pirogue, il s'est placé au milieu de l'eau, donc au milieu de l'Ogoué. Il fait sortir son filet pour l'étendre et tout. C'est comme ça qu'il aperçoit que le génie venir. Alors là, le génie venait à vive allure et tout. Alors, il voit le génie venir à vive allure vers lui. Mais sauf qu'il regarde. Il voit Jean-Loup qui bouge beaucoup. Il regarde. Il se dit, mais oh, ça c'est quoi qui bouge l'eau comme ça? Donc, en regardant autour de lui, il se retourne tout à coup. Il voit le génie avec, on va dire au niveau du torse, et dans la pirogue. Il dit, toi, si tous les jours, à chaque fois que tu viens pêcher ici, je te dis de ne plus venir pêcher, mais comme tu es têtu, tu n'aimes pas entendre raison, n'est-ce pas? Ok, aujourd'hui c'est le dernier jour, sache-le. Le monsieur regarde le génie le gifle, bam, il se retourne, il regarde, le génie n'est plus là. Il sent qu'il, ah, qu'est-ce qui s'est passé et tout, il ressent. Donc, le monsieur prend sa pirogue. Il prend sa pirogue, il retourne au bord de l'eau. Donc, il décide de rentrer au village. Sauf qu'en rentrant au village, une fois qu'il a touché la terre comme ça, le monsieur a commencé à délirer. Il a commencé à courir dans tous les sens et tout et tout et tout. Il criait, oh, il m'a giflé, il m'a giflé, il m'a giflé. Donc, les gens regardaient au loin. Ils se disent, mais c'est pas le papa là qui a l'habitude de pêcher ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, il décide de l'attraper. Il l'attrape comme ça, il l'amène chez le chef du village et tout, ça fait un conseil, qu'est-ce qui se passe et tout, 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 tout. On dit non. Appelez le féticheur, on va dire le Nganga. Appelez le Nganga, il va venir le consulter et tout. Donc, quand on fait venir le féticheur, il se meurt trop de lui, il fait ses rites et tous les rituels, les sacrifices, les incantations. Après, un coup, le monsieur
tout d'un coup se réveille comme s'il était dans un sommeil. Il se réveille brusquement. Je fais quoi ici? Il dit, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit, ça fait plus de 3 semaines, 4 semaines que un génie ne fait que me dire de ne plus aller pêcher à l'Ogoué. Mais sauf que je partais et il ne faisait que me prévenir. Et aujourd'hui, je suis retourné parce que j'étais fauché et tout et tout et tout. Voilà comment, je ne sais pas, il a apparu dans la pirogue. Il m'a giflé. En me giflant, il a disparu et je me suis retrouvé ici. Cela m'a dit, mais tu étais en train de délirer et tu devenais fou. Il regarde les gens. Il pique encore la crise. Quand il pique la crise, il court de gauche à droite. Il court de gauche à droite. Il a fait après 2 semaines. Après 2 semaines, le monsieur est décédé. Voilà. Donc, pour moi, la morale de l'histoire, c'est quoi? Quand vous voyez des entités d'un milieu vous prévenir d'arrêter de faire quelque chose, écoutez. Parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Vous voyez? Et il faut toujours faire attention à nous. Faites vraiment attention. Parce qu'il y a des gens qui marchent dans les milieux, ils ne connaissent pas l'endroit, mais ils se jettent quand même dans la gueule du loup. Et certaines personnes le payent vraiment cher. Voilà. C'est la première histoire que je voulais raconter. Il y aura encore d'autres. Mais j'ai décidé de commencer par celle-là. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Waouh, c'est assez étrange. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, c'est vraiment étrange, vraiment. Vraiment très étrange. Nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. Une fois de plus, je reviens avec une nouvelle histoire me concernant. Ça, c'est ma petite histoire que j'ai vécue directement dans les années 2012, quand j'étais à l'internat. Ouais. Vous savez, comme je disais précédemment dans ma vidéo, dans mon audio, je suis un gars de Makia. Donc, avec la réputation de notre quartier, désordre, mauvaise compagnie et consorts, les parents ont voulu que je sois focalisé dans les études. Donc, ils ont décidé, ils ont opté de m'envoyer à l'internat. Et cet internat-là se trouve en Consamba. Donc, tous les autochtones, tous ceux qui connaissent bien Consamba, peuvent voir de quel internat je parle. Internat qui porte une tenue verte. Donc, ils peuvent se retrouver. Donc, je ne vais pas appeler le nom. C'est un internat de réputation là-bas. C'est très connu dans la ville de Consamba. D'accord, merci. Donc, j'entre dans le vif de l'histoire. Donc, quand j'arrive à l'internat, tout se passe bien. Quand j'arrive à l'internat, donc j'entre dans le vif de l'histoire. Donc, quand j'arrive à l'internat, tout se passe bien. On fait connaissance, de nouvelles rencontres et qu'on sort. La vie continue, la vie est normale et tout. Je rencontre un jeune homme donc plus âgé que moi qui devient en cette sorte mon parrain, mon papa, mon père d'internat. Donc quand je dis père d'internat ou parrain, c'est quelqu'un qui lui est ancien à l'internat, qui a déjà passé du temps à l'internat, donc il connaît les rouages, comment s'adapter, comment s'organiser à l'internat quoi. Donc déjà comment consommer ses provisions, comment s'organiser pour les études, comment tout ça, donc pour qu'on ne te menace pas quoi. Vous savez, l'internat c'est en quelque sorte comme une prison, étant donné que l'esprit humain, on a toujours tendance à vouloir dominer sur l'autre, donc il est en quelque sorte quelqu'un qui te protège, donc c'est un peu ça. Je fais sa rencontre, c'est mon père d'internat, la vie est normale et tout. Donc à l'internat, on se réveille très tôt le matin, à 5h, 5h30, on est debout, chacun fait son travail, il s'apprête pour aller à l'école. Après les cours finissent à 15h. 15h30, on descend dans les dortoirs pour aller manger,
Et après avoir mangé, chacun part se coucher pour dormir. Donc de 16h jusqu'à 17h, 17h30. Vous vous réveillez, vous vous apprêtez, 18h. Vous partez au réfectoire, vous prenez votre repas. 18h30, chacun repart pour la salle d'études, dans le prep. Vous repartez dans les salles d'études pour le prep. Donc, que c'était la routine de l'internat. C'est bon. Un jour, la routine comme d'habitude, part au prep, aux études, on finit les études à 21h30, je reviens. Je décide d'aller, comme d'habitude, je dois faire mes prières quotidiennes. Comme je suis musulman, je dis que je dois rattraper mes prières quotidiennes. Étant donné que dans la journée, j'ai déjà fait mes 3 prières, donc je dois faire mes 2 prières du soir qui me restent. Donc, j'ai un petit coin dans l'internat qui est un peu isolé. Donc, selon moi, c'est un peu isolé parce que les gens ne passent pas trop là-bas. Donc, je considère cet endroit un peu comme pur. Donc, je prends mon tapis de prière, je coupe ma bouilloire, je fais mes ablutions et je dois rattraper mes 2 prières du soir. Donc, je fais mes ablutions, je commence à faire ma prière. Je lance première prière de 18h. Je la fais. Ça, c'est après les études à 21h, un soir. Je fais ma prière de 18h. Je finis et j'engage la deuxième prière de 18h, de 19h. Vous savez, quand vous êtes debout, quand vous êtes peu importe là où vous êtes, quand il y a quelqu'un qui vient derrière vous, il y a une sensation de ressentir la présence de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin que la personne vous touche bien, qu'il vous parle. Vous êtes là, assis là, actuellement, quand vous êtes assis là, s'il y a quelqu'un qui vient derrière, vous allez ressentir sa présence. Donc, quand je faisais ma prière, j'ai ressenti une forte présence de quelqu'un derrière moi qui m'observait. Ça me foutait la boule. J'avais tellement une sensation de frisson et tout. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qui vient se placer derrière moi? Et ainsi, étant donné que tout le monde savait que quand je fais ma prière, je n'aime pas les plages, je n'aime pas les jeux, je préfère qu'ils attendent quand je finisse. Et tout le monde le savait déjà. Mais je me disais, mais qui a le courage de venir pour me perturber dans ma prière? Tellement que je ressentais cette présence-là, c'était tellement intense. Du coup, je me suis retourné. En pleine prière, quoi. Je me suis retourné pour voir qui est derrière moi. Bien que ce n'est pas autorisé en islam, que quand tu fais ta prière, tu gesticules, tu bouges de gauche à droite, ce n'est pas autorisé. Tu dois rester concentré et focalisé dans ta prière. Mais tellement que je ressentais cette présence-là, c'était tellement intense, je me suis retourné pour regarder qui est derrière moi. Je ne vois personne, j'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe là? Je laisse couler et je recommence la prière à zéro. Pendant que quand je recommence la prière, pendant la prière encore, je ressens cette même sensation, carrément. Je ressens cette même sensation, la DMG, qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Mais je décide de ne pas me retourner, je me dis non, c'est dans ma tête. Ce qui me fout là, les boules graves donc à ce moment, je ressens comment cette personne m'a tiré la pipe à derrière. Vous savez, quand on vous touche, vous savez que quelqu'un vous a touché. Carrément, dès qu'on me tire la pipe à derrière, je me retourne et je ne vois personne. Et c'est un espace en plein air, quoi. C'est pas comme si la personne va me tirer, va courir, se cacher ou bien non. C'est un espace en plein air. En plein air, comme je t'ai dit. Je ressens comment la personne m'a tiré la bipe. Et quand je me suis retourné, je n'ai vu personne. Du coup, j'ai pris un peu peur, mais je me suis ressaisi. J'ai cassé ma prière, j'ai coupé la prière, j'ai récupéré mon tapis, j'ai pris ma bouilloire, je suis rentré dans le dortoir pour aller faire ma prière à côté de mon lit, à côté de mon père d'internat. C'est là, du coup, il me voit revenir, mais il me voit étaler mon tapis pour faire ma prière. Il me dit, mais mon petit, c'est comment? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? D'habitude, tu n'aimes pas faire la prière à l'intérieur, tu dis, il y a le bruit, les gens piétinent un peu de partout, tu ne considères pas ça comme pur. Tu pouvais aller prier dehors. Je lui ai dit, regarde, laisse seulement mon frère. Le dehors, là, ça ne m'inspire pas confiance. Donc, je pouvais faire ma prière ici en sécurité. Il a juste duré et on a laissé couler. Donc, c'est comme ça. Une fois, après les cours, ça c'est dans la semaine, après les cours, on a constaté qu'il y a un petit qui a disparu et tout et tout. Donc après les cours dans la semaine, on a constaté qu'il y a un petit qui a disparu. Bon, on s'est dit, sûrement, c'est un petit qui en avait marre de la vie d'internat,
qui ne pouvait plus peut-être supporter le rythme. C'est pour cela qu'il a préféré lui s'enfuir. Donc, nous, c'est ce qu'on se disait. Puisqu'on voit quelqu'un escalader le mur, fuir l'intendant, on se dit, bon, la vie est dure, l'intendant, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc, on se connaît. Donc, on s'est dit, sûrement, le petit en avait marre de la souffrance de l'intendant et tout, sur un rythme acharné, tout ça. Donc, il n'a pas pu peut-être supporter et il a escaladé le mur pour se barrer. La semaine qui a suivi, pendant qu'on revenait des cours aux environs de 15 heures après l'école, on revenait dans nos dortoirs, il y a une vieille maman qui est arrivée à l'internat. Puisque la guérite, la porte d'entrée principale de l'internat, c'est pas très loin de l'entrée de l'établissement même. Donc la maman est arrivée, elle s'est dirigée vers la direction, les bureaux de direction et tout. Elle a commencé à faire un vacarme pas possible, un boucan de ouf. Commencer à bavarder, commencer à crier sur les membres de l'administration. Ce que vous êtes en train de vouloir faire là, ça va vous retomber tôt ou tard au nez. Ce que vous voulez faire aux enfants des gens là, ça va vous retomber au nez un jour. Moi, mon petit-fils, c'est la seule personne qui me reste. Ce que vous avez voulu le faire là, Dieu a refusé. Mais sachez que comme vous êtes capable du pire, sachez que je suis aussi capable du pire comme vous. Faites très attention à mon petit-fils, c'est lui seul qui me reste. Donc, si quelque chose l'arrive, je vous en tiens de responsable. Je ne veux pas laisser passer si quelque chose arrive à mon petit-fils. Ce que vous avez voulu faire, bien ce que vous avez fait, annulez, laissez passer, laissez tomber. Parce que moi, je suis prêt aussi, comme vous l'êtes là, je suis aussi capable du pire comme vous. Donc, méfiez-vous, faites très attention. Elle a fait un vacarme de pas possible. Bon, nous, on n'a pas. Du coup, on entendait juste comment elle faisait ce. Elle parlait ainsi et tout, mais on n'a pas trop prêté attention. On n'a pas trop mis la tête dans ça et tout. Nous, on se disait, ah, sûrement, c'est leur problème entre eux qu'on sort. Donc, on ne savait même pas que c'était la maman de ce petit-là. C'est après, maintenant, après notre retour d'auteur, ça chuchotait, vous savez, ça va toujours chuchoter. Et concernant, c'était la grand-mère du petit qui a escaladé il y a pratiquement une semaine et tout, c'est elle qui est revenue pour menacer les membres de l'administration et tout. C'est là que il y a un petit qui dormait, qui était voisin avec son petit-fils là. Donc ils avaient un même lit. Comme les lits sont en étage superposé, lui il dort en bas et le petit-fils de cette grande-maman là dormait en haut. Donc c'est un peu comme ça donc que le petit, chaque fois il racontait à son ami que comme ça, leur lit n'est pas très loin de la porte du dortoir, dans la nuit quand ils dorment, quand le vent souffle souvent, ça ouvre la porte, puisque les portes ne sont pas barclées, ça ouvre la porte et la fraîcheur, quoi. Comme nous sommes dans une zone un peu, il fait vraiment froid dans la nuit, dans la zone de Consamba, et nous sommes sur une montagne. Dans la nuit, la fraîcheur, tellement qu'il fait froid, c'est la fraîcheur là qui le réveille, étant donné que sa couverture n'est pas très lourde, donc c'est la fraîcheur qui le réveille. Et quand la fraîcheur le réveille, il se l'est couché sur son lit, il se couvre bien et tout, et de son lit, il peut voir bien la cour du dehors, tout ça, l'extérieur, quoi. Donc, chaque fois, il regarde de l'extérieur, il dit, une fois, c'est comme ça, la fraîcheur le réveille, il se couvre, il est couché sur son lit, il est en train de regarder au loin dehors. Puis sur son lit, on voit bien la cour du dehors. Donc, il dit, c'est comme ça qu'une fois, il voit un groupe de personnes dans la cour, en plein milieu de la nuit. Ils sont habillés en blanc et tout. Donc, on dirait qu'ils sont en train de faire des rituels ou bien des pratiques. Je ne sais pas trop, je ne vais pas entrer dans les détails et tout. Mais quand on dit déjà un regroupement de personnes dans la nuit en train de faire comme une concertation, comme une réunion, on voit déjà tous de quoi il s'agit, mes frères. Donc, il dit qu'il voit ces gens, il les observe, c'est au loin, mais il reconnaît, puisqu'il les reconnaît, puisque c'est un peu éclairé quand même. Il dit qu'il reconnaît les membres de l'administration. C'est comme ça qu'il explique ça le lendemain. Et pendant qu'il les regardait, il les observait, ils ont ressenti son regard. Tous se sont retournés vers lui, il observait, il dit, donc il a ressenti comme si eux aussi le regardaient. Il a pris peur, il est entré dans ses draps et tout, c'est comme ça qu'il s'est endormi. Et il a raconté ça à son ami le matin. Et bon, beaucoup de ses camarades, quoi. Mais à son ami intime, il a parlé à son ami intime, mais son ami intime, bon, comme ce sont des enfants de sa frère, ils n'ont pas su quoi faire. Et il a raconté ça à beaucoup de ses camarades et tout, mais personne n'a pris ça à la...
On a pris ça vraiment au sérieux, puisqu'on disait, ah, c'est sûr que c'est un enfant, sûrement il a halluciné, sûrement il a rêvé, sûrement il a. Donc personne ne prenait vraiment ça en considération et tout. Donc c'est jusqu'au soir, donc c'était devenu constant, mais il se sentait persécuté chaque soir, chaque nuit. Il se sentait persécuté parce qu'il y a des moments où on disait, il dort, il crie dans le sommeil, il y a des moments où il n'arrive pas à dormir, deux fois il pleure dans la nuit, il ne voulait plus dormir seul, donc il se sentait persécuté, quoi. Donc c'est jusqu'au jour où il a décidé d'escalader, de fuir le mur et de rentrer. Donc d'où pourquoi maintenant, sûrement la famille, ils ont fait leurs petites investigations, ils ont fait leurs petites recherches et ils ont su que le petit a été victime de tentatives mystiques. Donc peut-être, donc c'est d'où la grand-maman est venue menacer les membres de l'administration. Donc c'est un peu ça. On a remarqué comme cela, on est. Chacun un point, on a dit ok. Donc, c'est un peu ça. Du coup, on a continué la vie à l'internat paisiblement, normalement. Moi-même, après avoir été tenté là, depuis ce temps-là, je n'ai plus de problème jusqu'à l'avènement de ce petit. Et tout, jusqu'à aux événements qui sont arrivés à ce petit, et tout, on n'a plus de problème. Un bon jour après cela, un bon jour, quelques temps sont passés, un bon jour. Dans la nuit, on a fini la journée, une journée d'études et tout, l'école d'études et tout, et tout. On rentre se coucher. Je suis en train de dormir durant la nuit, aux environs de. Bon, je ne sais pas exactement l'heure, puisqu'on n'a pas d'heure, on n'aurait pas de. Je n'avais pas de montre, je n'ai pas pris l'attention de regarder l'heure. Mais en plein milieu de la nuit, j'ai eu une envie de pisser, puisque je dormais, je mourais, j'ai eu une envie de pisser. Je prends ma bouloir, je me lève, je pars aux toilettes, je me mets à l'aise, je reviens, j'entre dans le dortoir, je me recouche sur mon lit. Quand je me couche sur mon lit, je tire mon drap sur moi. Vous savez, quand vous finissez peut-être dans la nuit, vous allez faire vos petits besoins, vous revenez. Quand vous vous couchez, il y a une attente là, quelques secondes, bien quelques minutes que le sommeil revienne, quoi. Donc pendant cette petite attente là, le sommeil commençait déjà à m'emporter. J'ai suivi comme un vent fort qui a venu, qui a ouvert la porte du dortoir avec violence, bam bam. Donc ça a balancé la porte du dortoir. Du coup, j'ai un peu sursauté comme le sommeil n'était pas encore profond et tout. J'ouvre les yeux, je vois c'est la porte qui balance et c'est le vent qui est en train de venir. Je dis, ah, oh, ça c'est le vent et tout. Pendant que je suis en train de regarder comme ça, je vois il y a un petit de l'internat toujours qu'on parle qu'il est compliqué. Vous savez, dans les internats, comme on se connaît tous et tout, donc il y a les petits qui font des trucs bizarres et tout, donc on va toujours. Donc ça ne pourra pas manquer. Il y a des gens qui font des trucs bizarres comme ça, quelque part, on dit, là, il est ceci, il est cela et tout. Donc lui, le petit, lui, il faisait partie d'un groupe de gens qui sont tellement bizarres. Quand on les voit, ils ne sont pas clairs. Quand tu restes même avec lui, carrément, tu auras de la chair de poule et tout. Donc, ce sont des petits signes comme ça. Donc, les gens, les enfants, les élèves entre nous, là, on se méfiait beaucoup. On se méfiait beaucoup. C'est un petit que moi, je trouve très louche. Donc, je n'avais pas trop de contact avec eux, mon père d'internat et moi. Donc, on n'avait pas trop de contact avec eux. Directement, je vois un de ces petits-là. Il est de ma génération, ce petit-là. Tu le vois venir, il est en train de marcher sur la plante des pieds. Donc c'est la pointe des pieds, quoi. Tout doucement, il est entré, il est en train de marcher sur la pointe des pieds. Tout doucement, il avance vers son lit. Et son lit n'est pas très loin du mien. Donc il y a juste un petit espace qui nous sépare. Et lui, son lit est en étage aussi. Il dort en haut. Et moi, comme je dors en bas, directement, je vois le petit là, il marche tout doucement sur la pointe des pieds, sur la pointe des pieds, sur la pointe des pieds. Il vient, il fait comme s'il va monter sur son lit. Moi, je l'observe. Je suis dans mon drap, je l'observe. Du coup, brusquement, il se retourne et nos regards se croisent. Dans l'obscurité, je vous dis. Dans l'obscurité, mais nos regards se sont croisés. J'ai senti qu'il m'a vu et lui aussi, il a senti que je le vois. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, il a senti que je regarde et moi, j'ai vu il a su que je suis en train de l'observer. Directement, quand il se retourne, nos regards se croisent dans l'obscurité. Il me dit, tu me regardes, tu me regardes, tu me regardes. Donc tu me surveilles. Directement, j'ai ressenti comme s'il est devenu le vent, comme s'il est devenu un esprit ou bien le vent. J'ai ressenti comment c'est entré dans moi. Et la position que j'avais étant couché, je ne pouvais plus bouger. Carrément, je ne pouvais plus bouger. J'ai ressenti cette pression-là, ce vent-là entrer dans moi. Je ne pouvais plus bouger la position que j'avais. Donc,
Quand c'est comme ça, je ne pouvais plus bouger, j'étais couché, il est entré dans moi, en esprit, bon, je ne sais pas, donc, mais ce que j'ai ressenti ce vent là. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire directement, j'ai fermé mes yeux. Mais j'étais conscient de ce qui se passait, j'ai juste fermé mes yeux et j'ai commencé à réciter certains versets coraniques. J'ai récité certains versets coraniques qui permettent de se libérer de l'emprise du shaitan, qui font fuir les mauvais esprits et tout. Ayalta Kursiyo, Kulwallahu Ahad. J'ai récité des versets coraniques qui font fuir le diable, qui font fuir les mauvais esprits. Donc j'ai récité cela dans mon cœur. Je récitais, et pendant que je récitais ces versets-là, j'ai ressenti comment mon corps lâchait. Je ne pouvais plus bouger, mais j'arrivais maintenant à bouger légèrement. Au fur et à mesure que je restais, j'arrivais à bouger au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Jusqu'à donc, je sais, ça m'a lâché et je ne sais pas à quel moment je me suis endormi. Vous voyez un peu quoi? Je ne sais plus à quel moment je me suis endormi. Et quand je me réveille, je sursaut du lit. Il est parti comment déjà 5 heures. Parce que ça n'a pas duré. Quand je me suis réveillé, ça n'a pas duré qu'on a allumé la lumière du dortoir. Quand je me réveille, je sursaute. Il est pratiquement 5 heures. Quand je sursaute, mon père d'internat avec qui nous sommes voisins de lit, il est assis à côté en train d'étudier. Il a allumé la torche. Il a allumé une torche, une lampe quoi. Il est en train de lire avec sur son lit. Quand je sursaute, il suit le bruit. C'est là où il torche sur mon lit. Il me regarde. La torche vient sur moi, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tu te réveilles en sursaut là? C'est là où je dis, merde, mon père, vraiment, ça, c'est que je fais un cauchemar, pas possible, je sais pas. C'est là où je m'assieds, il se rapproche, je commence à l'expliquer mon rêve et tout, et tout, et tout. Mais je lui dis que carrément, le rêve, c'est un rêve que moi j'ai ressenti, c'est quelque chose de réel. Je ne sais pas, sûrement le petit est allé dans son monde mystique. Il revenait maintenant dans ses heures et j'ai eu la malchance de le voir. Mais moi, je suis quelqu'un de très déterminé. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas froid aux yeux et je n'ai pas envie de laisser ça comme ça. Parce qu'ici à l'internet, il y a beaucoup de petits qui viennent avec des trucs mystiques. Ils ont des trucs mystiques depuis dans leur famille. Ils viennent à l'internet ici pour nous opprimer, pour nous menacer. On se sent compressé avec eux, on n'est pas à l'aise. Mais moi, carrément, ils m'attendaient dans le mystique. Mais moi, carrément, je n'ai pas envie de laisser ça couler. Mon sang chauffait carrément. Donc, j'avais tellement la rage en moi et je lui ai dit, c'est pas bon. Étant donné eux, ils sont mystiques, donc si, comme il a fait là, et que nous, on laisse ça passer comme ça, ils vont nous voir comme des proies faciles, donc c'est pas bon. Je ne veux pas passer pour un faible devant lui. Donc moi, je ne peux pas laisser couler. C'est là où mon père d'internat me dit, carrément, moi, je suis derrière toi. Moi, je te suis à fond. Peu importe ce que tu décides, peu importe ce que tu vas décider, Abdallah, moi, je suis à fond, je suis derrière toi. Je te soutiens, je lui dis d'accord. Directement, j'ai tissé mon plan dans ma tête. J'ai établi un plan dans ma tête de... Je suis allé me doucher, quand on a allumé la lumière, chacun fait ce qu'il a fait, les petits travaux du quotidien qu'on fait aller dans les dortoirs et tout, dresser le lit et sur le sol, les consorts. Moi, j'ai fait ma part de travail, je suis allé me doucher, je me suis habillé, j'ai porté ma tenue, j'ai arrangé mon cartable et tout et tout. On attendait donc la visite du maître d'internat, puisque c'est lui qui vient contrôler la propriété des dortoirs chaque matin avant d'aller en cours. Avant ça, on était donc pendant son dans l'attente du maître d'internat pour sa routine de visite quotidienne le matin. Nous étions avec mon père d'internat. Nous étions donc debout dans notre espace, on patientait. Directement, je vois ce petit-là venir. Pendant qu'il vient, il entre depuis à la porte, comme nous sommes debout, mon père d'internat et moi, nos regards se croisent. Il me regarde, il est en train de sourire. Donc, pour dire en quelque sorte qu'il m'a eu, il m'a. Donc, je ressens ça, quand même, cette fierté-là en lui, pour dire qu'il m'a, et peut-être, je ne sais pas ce qu'il se disait, mais du genre qu'il a réussi à m'intimider, quoi. Donc, je ressens cette fierté-là sur son visage. Il est en train de se diriger sur son lit. Comme son lit n'est pas très loin du nôtre, il est venu, et comme son lit est en étage, il a posé sa main sur son lit, il s'est adossé sur son lit, en posant sa main sur son lit, il s'est adossé. Moi, dès que je le vois maintenant venir, j'ouvre ma boîte académie. Parce que moi, je suis un gars en ordi. Je suis un enfant de Makia. Et j'ai grandi avec l'esprit que quand tu viens bien, on te reçoit bien. Quand tu viens mal, on te reçoit mal. Donc, peu importe, quand ça ne va pas, on se parle en tant qu'homme. On s'affronte. Si c'est le hop-hop, on va suivre. On va aller hop-hop. Si c'est la diplomatie, on va aller dans cette voie-là de la diplomatie, voie pacifique et qu'on sort. Mais moi, je suis du genre quand ça ne va pas. Même s'il faille qu'on se boxe, on va le faire. Moi, peu importe de la façon dont tu viens,
Moi, je vais aller avec toi. Si tu es doux, je suis doux. Si tu es tête en l'air, je suis tête en l'air. Donc, peu importe. Et comme c'est à l'intérieur, il n'y a pas moyen de trouver un truc tranchant, un couteau ou bien une matière. Donc, il n'y a pas moyen. J'ouvre ma boîte académique, je sors un compas. Je prends le compas entre mes mains. Je remets ma boîte académique, j'ai mon compas entre mes mains. Comme il est adossé sur son lit, il a posé la main sur son matelas. Je me rapproche de lui. C'est là où je lui dis, mais mon petit, que ce soit la toute dernière fois que toi, je te croise dans mes rêves. Fais très attention, tu me vois, regarde-moi bien. Toi et moi, on ne se connaît pas, on n'a aucune affinité, on n'a aucun lien d'affinité. Je suis capable de te pointer en pleine nuit dans ton sommeil. Je te ôte la vie là dans ton sommeil, c'est à l'intérieur. En pleine nuit, je te poignarde dans la gorge, je ôte ta vie dans le sommeil et personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Le petit me réplique directement que mes grands, toi tu m'observes dans la nuit, pourquoi? Est-ce que toi et moi on traite ensemble? Tu m'observes? Je dis non, mon petit, moi je t'observe pas, je ne veux pas savoir ce que tu faisais, je ne veux pas savoir d'où tu revenais, ça ne me concerne pas. Mais tout ce que moi j'ai à te dire, c'est que la prochaine fois que je te croise dans mon rêve, sache que ce jour-là on va trouver ton cadavre au petit matin. Moi c'est une promesse que je te fais. Le petit a voulu régimber, comme sa main était posée sur son matelas, j'ai pris mon compas qui était entre mes mains. J'ai poignardé sur son matelas à côté de sa main deux fois. Pam, pam, le petit a sursauté directement, il a eu peur. Quand il a eu peur, il a sursauté. Mon père d'internat directement a surgi de derrière moi, venu le maintenir, l'arrêter au niveau du cou, le bloquer sur les barres de fer pour le menacer. Comme il te dit là, fais très attention. Plus jamais on te verra encore dans nos rêves. Méfie-toi. Méfie-toi. Et pendant que je me dirigeais encore vers lui pour l'intimider, il a pris peur vu l'action que j'ai commise en pointant son matelas deux fois avec le compas. Donc il a vraiment eu peur, il s'est senti menacé et directement il a pris fuite. Depuis ce jour-là, on a été séparés de ce petit-là. Donc quand il nous voyait, il ne voulait plus être dans la même pièce que nous. Que ce soit la salle d'études, que ce soit pendant nos petites conférences, quand je suis dans la pièce avec mon père intérieur, ce petit-là ne voulait plus carrément. Il a même déménagé de notre dortoir. Il n'était même plus dans notre dortoir, il a cherché un autre dortoir. Donc, il s'est senti menacé carrément. Vous savez, le sorcier n'aime pas quand vous l'affrontez face à face et que vous le montrez de quel bois vous-même vous vous chauffez. Quand vous le montrez que oui, il peut vous atteindre dans la vie mystique, mais que vous, dans la vie réelle, directement, vous êtes prêt à lui ôter même la vie. Vous lui faites comprendre que vous êtes prêt même à lui ôter la vie. Le sorcier n'aime pas ça, il a peur. Il a peur. Étant donné, moi, je suis vraiment aussi, comment dire, je suis vraiment axé dans la prière. Donc, je ne joue pas aussi avec mes prières. Donc, même s'il va m'attaquer mystiquement, je vais pouvoir quand même me défendre si Dieu le veut bien. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, je vais pouvoir me défendre. Mais dans la vie physique, là, dans la vraie vie, là, je ne vais pas le laisser le rebond. Là, c'est une certitude. Depuis ce jour-là, j'ai été débarrassé de ce petit-là comme ça. Et la vie a repris son cours à l'internat. Donc la morale à tirer dans mon histoire, pour moi, la première des choses, c'est les parents qui envoient leurs enfants dans les internats. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau d'envoyer l'enfant à l'internat parce que ça lui permet vraiment d'être concentré dans ses études, avec le rythme qu'il y a là-bas, études, l'école, tout ça et tout. Ça lui permet vraiment d'être concentré dans son école. Vous voyez un peu, grâce à Dieu, j'ai réussi dans mes études avec aussi ça. Donc, ça m'a permis aussi d'évoluer dans mes études avec. Donc, les parents qui envoient leurs enfants à l'internat, il faut beaucoup prier pour eux. Beaucoup de prières pour vos enfants qui sont dans les internats, dans les camps et consorts. Là. Beaucoup de prières. Parce que la vie à l'internat, c'est un peu en quelque sorte comme une petite prison. Donc, il y a certains élèves qui, dans leur famille, héritent des trucs mystiques, de la sorcellerie, héritent des trucs mystiques, des rituels qu'ils font et tout et tout, dont les parents ne veulent pas les laisser en famille parce qu'ils ont peur que, comme ils sont encore enfants et qu'ils ne maîtrisent pas bien cela, ils peuvent se fâcher avec leurs frères et les tuer par accident sans vouloir même, ils peuvent tuer leurs frères par accident quoi, à la maison, dont les parents les prennent et les envoient à l'internat pour venir nous torturer, nous les enfants qui sortent de nulle part, parce que peut-être la réputation de mon quartier n'était pas bonne et tout, les parents m'ont envoyé là-bas pour que je me concentre dans les études, ils viennent nous persécuter, nous comme ça. Donc c'est un peu ça pour moi la morale de l'histoire, les parents qui envoient les enfants dans les internats.
vraiment beaucoup de prières. Assurez-vous de la bonne moralité des dirigeants de ces établissements-là sur le plan spirituel et consorts. Donc, il faut vous assurer de cela. Est-ce que les dirigeants-là ne sont pas compliqués? Est-ce qu'ils sont déjà religieux? S'ils ne font pas des choses pas tellement catholiques, quoi. Donc, pour moi, la première moralité à tirer dans cette histoire-là, c'est ça. Et la deuxième, c'est la prière, peu importe où tu es, peu importe ta confession de foi et consorts, peu importe, musulman, chrétien, hein, animiste, peu importe ta confession de foi, faut être à fond dans ta prière. Dieu est unique, quoi. Dieu est unique. Toutes les religions, les langues ont leur façon d'appeler leur Dieu, mais il y a un seul Dieu au final pour moi. Il y a un seul Dieu. Même en islam, nous, on nous dit cela. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc, peu importe en la langue que tu le parles, peu importe en comment tu l'adores, Dieu écoute toujours ses serviteurs parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie là. Donc, il faut vraiment, vraiment ne pas jouer avec la prière. Big up à toi, DMG. Salut à toute la communauté. Vraiment, merci pour ton initiative. Vous avez entendu ça, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Il voyait le petit dans son sommeil. Ah, il voyait le petit là en rêve. Le petit venait le fatiguer. Mais comment il allait faire pour l'arrêter? Il n'a pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir fatiguer le petit ici dans son sommeil. Ou bien, bon, le bloquer en esprit. Donc, il est venu le menacer physiquement. Hein? Waouh! Ça, c'est vraiment une stratégie hors du commun. Moi, je n'ai jamais essayé ça, mais en général, en tout cas, quand tu le fais, faut te préparer aussi. Si ce jour de rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon, c'est pas encore terminé. Abonnez-vous, laissez les j'aime et partagez.